Bonjour, je m'appelle Patrick Olivier, président de l'Académie de billard. Bienvenue à la salle Romain Rolland, mise à la disposition de la mairie d'Argenteuil, que je remercie vivement pour leur soutien. Nous sommes le plus grand club associatif de France, avec 151 membres, dont 117 de plus de 21 ans, 9 féminines et 34 jeunes, dont 7 féminines. La salle comporte 22 tables qui permettent d'accéder à tous les modes de jeu, français, américain, blackball et snooker. Un jour, je suis passé tout à fait par hasard dans la rue, j'ai vu l'Académie de billard, je suis rentré, j'ai poussé la porte et je suis jamais ressorti. Le blackball se pratique sur le billard 8 poules. On a la composition de 7 billes jaunes, 7 billes rouges, la noire et la blanche pour venir choquer. Le but du jeu est simple, après la casse, c'est de rentrer toute une couleur et la noire en direct à la fin. Après la casse, on a la possibilité, vu que j'ai rentré les billes, de confirmer la couleur. Mais pour cela, on doit rentrer une des billes qui nous validera notre couleur. Et la partie se termine quand la 8 est rentrée de manière directe. Règle du carambole. Ce jeu se joue sur une table de billard sans poche. Il comporte 3 billes, une rouge, une blanche et une jaune ou blanche pointée pour la différencier. Le joueur joue et à chaque point effectué, continue de jouer. C'est ce qu'on appelle une série, jusqu'à ce que le point soit raté. C'est ensuite à l'adversaire de jouer. Il y a différents modes de jeu, la libre, la bande, le 3 bandes, le cadre, et 5 quilles. Ce jeu se joue avec 3 billes, comme au carambole, et 5 quilles, 4 blanches et 1 rouge. Les blanches valent 2 points, la rouge vaut 10 points. Le jeu consiste à faire tomber un maximum de quilles avec la bille de l'adversaire. Thank you.
Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Tachoir, j'ai 25 ans et j'ai commencé le billard à l'âge de 10 ans au billard club d'Argenteuil, ici dans cette magnifique salle. J'ai la chance aujourd'hui d'être membre d'honneur du club, donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Donc j'ai gravi les échelons assez jeune. À 11 ans, je participais à un championnat de France cadet, j'étais le plus jeune de l'histoire à participer. À 12 ans et demi dans cette salle, j'ai eu mon premier titre de vice-champion de France et s'en est suivi l'année d'après un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe et enfin un titre de champion du monde en 2014. Donc on voit Adrien qui met les billes sur mouche pour réaliser ce qu'on appelle au billard le premier point. Quel que soit le jeu de série, le mode de jeu, il se fait en trois bandes. Voilà, donc une, deux et trois bandes. Donc au jeu du trois bandes, donc il suffit, comme au jeu du billard en général, avec sa bille, pour le coup la blanche pour Adrien, de toucher les deux billes. Mais pour ce faire, il faut faire trois bandes. Une, deux, trois bandes. Voilà, le point est réalisé. Une école de billard permet à chacun d'apprendre, de s'améliorer et de se préparer aux compétitions pour ce qu'il désire. Quinze enfants s'entraînent chaque mercredi dans ce club. On va commencer par billard d'or. Quentin, Lucas. Comprendre les figures, bien se positionner. C'est débutant, le billard c'est de la réflexion. Ce sport a de plus en plus de succès auprès des jeunes. L'an dernier, le nombre de licenciés a augmenté de 10%. Dès qu'on me dit on va aller au billard, en fait, je demande à mes parents qu'on y aille le plus tôt possible parce que j'adore ça. La mise aux normes handicapées est en cours de réalisation grâce à notre hébergeur et de notre côté, des tables spécifiques seront bientôt mises à disposition pour les PMR, personnes à mobilité réduite. Trois personnes viennent de se former au langage des signes et notre but est de continuer les formations afin d'accueillir au mieux les porteurs de handicap et ainsi promouvoir notre sport à tous les publics. Je m'appelle Florence et je suis initiatrice de club au niveau du billard à poche. Donc au niveau du club d'Argenteuil, on est dans la démarche d'accueillir tous les publics, donc porteurs ou non de handicap.